Mes chers compatriotes, nous sommes déjà à Kamombo. Nous sommes déjà à Kamombo. Vous voyez, les Rwandais, ils ont fui. Ils ont laissé, nos troupes sont là. Ils ont fui. On vient de prendre le contrôle de Kamombo. J'aimerais vous dire que ici, à Kamombo, les Rwandais, ils proclamaient Kamombo comme la République. Vous voyez les histoires, donc, ils ont laissé. Et là, ils proclamaient déjà la République de Kamombo. La Kamombo est sous contrôle de nos troupes. Nous sommes déjà à Kamombo. Makanika et ses troupes, Makanika qui est le leader du groupe armé de M. Azarias Ruberwa, donc ils ont proclamé la République de Kamombo. On continue toujours, la voix de Kivu est sur le terrain. Vous voyez, c'est le contrôle de Kamombo. Nous continuons, c'est le début de l'opération Kimbunga Fiekadu au Congo. Mes chers frères, ses sœurs, vous savez que à l'est du pays, il y a beaucoup de troupes étrangères. Comme vous le voyez, le général Kibuki Lantetezi est déjà là avec les troupes. C'est le contrôle de Kamombo. Ils appelaient Kamombo comme la capitale. C'est après Minembwe. Les troupes Ngumino Tugoneo, Redi Tabara, CNRD et d'autres groupes étrangers, ils ont proclamé Kamombo comme la République de Kamombo. À l'heure où nous vous disons, les forces autodéfense, Maïmaï du FPDC et CNPJC sont dans ces soi-disant la République de Kamombo. Vous avez vu des bitins, comment ils ont laissé même les habits. Vous voyez les maisons dont nous venons de bombarder là. Vous voyez les maisons. Nous sommes toujours avec les troupes, la voix de Kivu est avec vous. Et vous verrez toujours les images. Suivez toujours nos émissions. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, lavoixdekivu45@gmail.com, ou notre numéro WhatsApp, c'est +243 85 88 08 330. C'est toujours l'opération Kimbunga Fiekadu au Congo.